Salut, c'est Lapino 4 pour une vidéo d'Euro Truck 2, donc laquelle a suivi l'épisode 20. Donc je suis très heureux de vous présenter cet épisode, donc ça me fait plaisir de faire cette petite vidéo. Donc on n'entend pas trop sur la précédente vidéo, celle de Call of Duty. Je m'en excuse. Mais bon, c'est comme ça. Donc voilà, on est parti pour un petit chargement, hein, ce 6h48, il me reste 10h, on va où? J'avais pas vu, il y avait un four rouge, tiens. Je me rappelle plus où je vais, à Bologne, voilà, donc c'est pas trop loin. J'ai même pas regardé le feu, mais je sentais qu'il était passé. Et on transporte 24 tonnes de vêtements. Oui, il faut déjà quelques vêtements. Donc voilà, j'ai recommencé les vidéos de farming, donc j'espère que ça vous fait plaisir. Même si dans le précédent épisode j'ai rien fait, hein, mais bon, c'est ce qu'on peut. Donc j'ai toujours pas fait la nouvelle mise à jour, je vous le dis, hein. Donc je pense que le mercredi je ferai une ou deux vidéos, enfin non, je pense que je vais faire une vidéo au mois et je la posterai le jeudi peut-être, ouais. Ou le vendredi, parce que voilà, comme j'ai une petite connexion, bah j'ai pas forcément le temps de poster la vidéo, donc ça c'est un peu embêtant, mais bon, c'est comme ça. Et malheureusement avec la connexion que j'ai, bah il me faut parfois pas mal de temps. Donc je fais ce que je peux, mais bon, il y a des fois où c'est vraiment trop long, je suis obligé de la mettre dans la journée, parce que comme ça je suis au collège, ça dérange personne que je prenne la co. Surtout ça, le truc c'est que comme je suis pas tout seul, bah voilà, il y a des gens qui prennent la co, et puis enfin moi je prends la co, puis après si on veut faire autre chose on peut pas parce qu'il y en a plus assez. Et c'est comme ça. Donc on est toujours dans notre petit Renault Premium. Donc la dernière fois j'avais plus eu de son à la fin de la vidéo, hein. Donc là bah, normalement ça va pas se refaire, hein. Ça devrait bien fonctionner. Il n'y a pas de raison que ça fonctionne mal. Donc voilà, 320 km, 5 heures de trajet. Ça va se faire tranquillement, hein, mais bon, ça va aller. Ça fait pas trop loin. Au moins la vidéo va pas faire une heure comme la dernière fois. Parce que ça pour le plot, c'est pas mal aussi. Mais bon. Non, on dirait des vieux graphismes, la montagne. Là, on dirait vraiment des graphismes de merde. On dirait qu'ils ont collé une image sur un truc graphique. C'est nul. Par contre 24 tonnes, mon camion, il a du mal. Il a du mal. Je joue toujours avec mon joystick. Voilà. Donc on s'approche quand même assez vite, hein. Donc ça j'étais très surpris au fait que oui, on s'approchait très vite des 200 abonnés, donc là voilà, c'est... aujourd'hui je dois être à 180, enfin 179, enfin voilà quoi, donc 200 abonnés bientôt, donc ça fait vraiment très plaisir, voilà, ça me fait très plaisir, donc évidemment 300 abonnés, peut-être un concours aux 300 abonnés, ça je sais pas parce que bah, voilà, moi j'ai 13 ans, donc après bon, je sais pas trop si je vais faire, je pense pas trop, mais bon, je verrai bien, parce qu'aux 300 abonnés voilà, je pourrais devenir partenaire, donc je sais déjà avec qui je voudrais être partenaire, après je sais pas s'ils vont accepter, mais je sais avec qui je voudrais,
parce que mon pourcentage de vues est peut-être pas super par rapport au nombre d'abonnés, ça c'est possible. Bon, même si j'ai quand même l'épisode 2 de farming qui a fait quand même 10 000 vues plus même. Et je conduis comme une merde, oui. Voilà, bienvenue chez moi, je conduis bien. Là j'étais en train de parler, puis voilà, j'ai fait de la merde. Donc j'espère que ce let's play de Call of Duty Modern Warfare vous plaira. J'ai vu que ça se faisait pas trop. Que les gens ils faisaient souvent un Call of Duty, en fait ils faisaient un des trois Call of Duty Modern Warfare, mais ils faisaient pas les trois. Bon, après moi je fais pas ça avec un HD PVR, donc c'est peut-être pas super. Mais bon, moi j'ai regardé, la qualité est acceptable. Ça va. Bon, évidemment, c'est pas comme si j'avais un HD PVR, mais bon, c'est pas trop mal. Donc ça c'est déjà bien. Bah j'ai pas grand chose à dire. À part que. Ah oui. Pour ceux que ça intéresse, mon choix Xbox One et PS4, en fait, je l'ai déjà fait. Parce que moi, j'ai la Xbox 360, donc je vais m'orienter vers une Xbox One. Voilà. Donc ça, c'est pas étonnant. Hein. Pas que j'ai une addiction à Microsoft, mais bon. J'aime bien l'Xbox. Puis bah, c'est ma première console, la Xbox 360. Donc je vais rester là-dessus, je pense. Parce qu'en fait, pour l'instant... Moi j'ai vu le prix, donc je vais pas me l'acheter pour tout de suite, en fait, la Xbox One. Je vais attendre que ma Xbox 360 soit morte, en fait. Et une fois qu'elle sera morte, je pense que... Bah j'achèterai une Xbox One parce que bah, le prix aura certainement baissé, hein, d'ici là. Parce qu'en plus, voilà, de toute façon, moi même si elle dure pas très longtemps, mais Xbox 360... Ça me dérangerait pas trop parce qu'en même temps j'ai une garantie de 200 euros. Bon, après c'est vrai que ça coûte plus cher une Xbox One, ça coûte juste 300 euros de plus, hein, c'est tout. Mais bon, voilà. Donc j'ai la garantie, donc bon. Si elle est tombée en panne, je pense que j'achèterai la Xbox One. Parce que ce qui m'intéresse c'est Titanfall. Voilà. Comme pas mal de gens en fait qui vont choisir la Xbox One, c'est Titanfall, hein, c'est une exclusivité. Pour ceux qui connaissent pas Titanfall, je vous invite à chercher sur YouTube des vidéos. Voilà, donc Titanfall, ça m'intéresse vraiment, je trouve ça hyper dynamique comme jeu, donc ça m'intéresse. Et les serveurs dédiés de Call of Duty Ghost, ça c'est... Bah c'est une bonne chose, donc voilà, je vais m'orienter là-dessus. Et en plus... Moi je m'en fous parce que même si j'ai des amis qui gardent leur Xbox 360 qui veulent pas avoir une One, en fait on peut communiquer en fait de Xbox One à Xbox 360. Donc on peut jouer avec les deux consoles en fait ensemble, si vous voyez ce que je veux dire. Une Xbox 360 peut jouer à Call of avec des gens qui ont une Xbox One par exemple. Donc ça c'est bien, je trouve ça bien franchement. Je trouve que c'est pas mal. Que sinon c'est sûr que s'il n'y avait pas, je pense, trop d'exclusivité Xbox, je pense que je me serais peut-être orienté vers une PS4, parce que c'est vrai qu'on a beau dire, mais bah là ils ont fait plus fort que Microsoft, hein, pourtant la dernière fois c'était le contraire, c'est Sony qui avait fait de la merde, mais bon, parce que la PS3 a coûté très cher, mais je sais pas, parce que moi j'ai pas du tout pensé à cette console étant donné que mes amis avaient l'Xbox 360. Mais voilà, j'ai entendu dire que ça tournait autour des 600 euros. Après, je suis pas sûr de ce que je dis, hein. Vincent n'y est pas dans les commentaires. Mais j'ai entendu dire que ça tournait autour des 600 euros quand elle est sortie. Donc, bah c'est énorme, hein. C'est comme bah, d'ailleurs 500, c'est beaucoup aussi. Même 400, voilà. Je pense que 300, c'est un prix maximum pour une console. Parce que partir de 400 euros, quand même, on se dit quand même, c'est juste pour des jeux vidéo. Enfin juste, voilà, moi j'adore ça les jeux vidéo, mais ça reste un truc secondaire quand même. Hein. Sauf pour les no-life, mais ça c'est à part. Donc c'est un truc quand même qui est un divertissement. Donc, bah je trouve quand même ça fait cher. Donc voilà, mon choix est fait. Donc je ne parlerai pas de la rentrée pour une raison simple, c'est que je veux pas en entendre parler. Voilà, c'est tout. Non, c'est vrai, j'ai vraiment... C'est un truc, franchement, je sais pas.
quand j'ai des gens dans ma famille qui ils m'appellent, ils me disent ouais, ça s'est bien passé, t'as rentré, voilà, stop, les gens, j'ai envie de raccrocher au nez. Là, c'est parce que c'est pas bien, c'est méchant. Mais voilà, ça m'énerve. C'est tout, je sais pas. J'ai pas envie d'entendre parler de ce truc de la rentrée, c'est tout. Donc, pour les commentaires du genre, c'est quoi ton compte Skype? Bah ça déjà j'y répondrai plus jamais parce que ça m'énerve. Je l'ai dit dans plusieurs vidéos et puis merde, je sais pas. C'est pas dur quoi. C'est XXLapinot4XX. Ça semble quand même logique que ce soit un peu en rapport avec ma chaîne YouTube. Hein. Après c'est pas évident, mais ça me semble logique quand même. Ça semble logique. Ouais, il y a des commentaires comme ça qui m'énervent. Comme des commentaires du genre. Enfin, je sais pas. Ça m'est jamais à trop arrivé. Hein. C'est plus sur Skype que j'ai des messages comme ça. Enfin, farming. Non, mais les gens, quoi. Stop. C'est pas que je veux pas, mais déjà, quand je suis connecté sur Skype, c'est pour parler à mes amis. C'est pas vraiment que je vous aime pas, mais voilà, quoi. C'est pas que c'est pas des amis IRL. Je vous connais pas vraiment. Voilà, abonné youtubeur, on n'a pas à avoir une relation spécialement amicale. Après, ça me dérange pas, perso. Mais bon, je peux comprendre qu'il y en ait que ça énerve. Hein. Y a pas... voilà, on n'est pas amis, c'est tout, c'est comme ça, mais bon. Après, j'ai rien contre les abonnés, parce que c'est vrai que sans vous, bah, je suis rien non plus. Hein, c'est... Enfin, moi, je veux dire, moi, quand je dis moi, c'est ma chaîne, mais... Surtout que bah il y a quand même des abonnés sympas. Hein. Voilà, il y a des abonnés, j'ai envie de jouer avec eux parce que je les trouve sympas et c'est tout. Voilà. Mais voilà, j'ai pas envie qu'on me spamme ma boîte de messages, que dès que je me connecte, on m'appelle parce que voilà. Ah c'est Lapino. Alors qu'en plus Lapino n'est pas connu, genre je suis pas Diablo X9. Et je suis pas prêt d'être Diablo X9 d'ailleurs. Pas demain la veille. Donc voilà, c'est pas la peine de dire c'est Lapine. Je me sens pas youtubeur connu étant donné que j'ai 180 abonnés. Je peux pas dire que je suis connu, c'est tout. Encore Danger, ok d'accord, je veux bien, c'est Danger. Mais c'est quand je pense que Danger c'est celui qui domine sur farming. Parce que personnellement, perso, Galax, moi j'aime pas Galax. C'est pour ça que je parle pas trop de lui. J'ai écouté 2-3 de ses vidéos, enfin de ses lives. Pff, franchement, non. Non, j'aime pas. Ça, je sais pas, j'aime pas sa façon de faire. Pas que je dis, enfin, pas que ce qu'il fait c'est mal, hein, mais... Ça me plaît pas, c'est fou, c'est... Je préfère Danger, je trouve que, voilà, il fait mieux ses commentaries. Après, c'est mon idée, c'est ce que je pense. Donc voilà, c'est chacun ses idées, je m'en bats les steaks. C'est pour ça que je parle jamais de Galax, même si c'est vrai qu'il est. Il a plus d'abonnés que Danger, mais ça se vaut, franchement, peut-être. Ça se vaut. Non, en fait, je crois qu'il en a 5000 de plus, peut-être un peu. Non, peut-être plus maintenant. Ça s'est peut-être creusé un peu le cœur. Personnellement, je m'en bats les steaks. Voilà, on bat les couilles, hein. Je le dis cash. Donc voilà, après. Chacun pense ce qu'il veut. Et moi, je sais pas. Galax, je sais pas. Je peux pas. Il parle un peu vite, je trouve. Et puis, je préfère le Made in Danger. C'est tout. C'est comme ça. Voilà pourquoi je ne parle pas de Galax. On m'a jamais posé la question, mais bon. Je le dis quand même. C'est fou comment la pluie ça fait bugger. Ah oui, au fait, voilà, j'ai pas mis de musique. Bon, en même temps, là, c'est vrai que je me rends compte que voilà. Je commence à arriver à faire des commentaires où je parle. Pas mal.
Mais si j'ai pas mis de musique, c'est tout simplement pour les droits d'auteur. Parce que j'ai été emmerdé, il n'y a pas de bande son sur le précédent de vidéo. Donc c'est casse-couille. Je sais, hein, je suis d'accord avec vous, ceux qui m'ont pas dit mais qu'ils pensent. Parce que oui, je reçois pas trop de commentaires du genre ah putain c'est de la merde ce que tu fais. Donc ça c'est bah c'est quand même que. Les abonnés sont sympas, hein, ça fait plaisir. Voilà, donc ça se branche. Parce que c'est vrai qu'il y en a, bon, ils se font littéralement insulter dans leurs commentaires. Bon après je me rends compte que c'est surtout sur Call of Duty qu'on voit des conneries. Sur Farming Euro Truck, c'est pas du tout des jeux connus alors. Mais... Attends mais il pleut plus là. Mais c'est quoi ce bordel? Voilà, oh là, n'importe quoi. Voilà, donc moi je reçois pas trop de commentaires casse-couilles. Donc ça vraiment j'ai pas à m'en plaindre. Et bah puis ça me fait plaisir hein, de pas m'en plaindre en fait. Si je peux dire que ça me fait plaisir. Voilà, je branche mon ordinateur parce que j'ai pas envie de tomber en rade. Comme ça m'est déjà arrivé pas mal de fois. Bon évidemment vous entendez peut-être un peu plus le bruit de l'ordi, c'est pour ça que je mets pas trop en charge quand je fais mes vidéos, mais fais ce qu'on peut. Je sais pas aussi si ça se voit la luminosité de l'écran parce que là en fait quand je branche moi je mets la luminosité à fond en fait, donc ça fait pas pareil. Je sais pas si ça change quelque chose, vous pouvez me le dire, ça aussi ça m'intéresse. Voilà. Est-ce qu'on voit plus la luminosité quand je branche mon ordi et que j'ai plus de luminosité tout simplement? Ça m'intéresse de savoir ça parce que bah c'est vrai qu'une vidéo son c'est pas super intéressant. Donc oui, je parlais d'un peu des commentaires et des vidéos sans son. Voilà, donc moi je. Voilà, surtout ceux qui font des tutoriels en fait, des tutoriaux. Franchement, je sais pas, les gens ils écrivent sur le bloc-notes. Mais si on peut pas avoir la connexion pour avoir la vidéo en 720p, enfin en HD quoi. On peut pas regarder son truc, enfin pas vraiment, c'est pas net. Donc je trouve pas ça bien quoi. Moi personnellement j'aurais pas de micro, je ferais pas de vidéo, j'aurais pas de vidéo je pense. Voilà. Parce que voilà, faire une vidéo pour dire je fais une vidéo. Après, encore que ce soit du Call of, c'est une grosse perf. Oui, pourquoi pas, enfin ça se comprend, on en voit pas mal, mais sur une vidéo de farming, il va pas me dire que le gameplay est intéressant à ce point. Ok d'accord, moi j'aime bien, je vais pas dire que j'aime pas, mais bon, voilà, ça reste du farming, c'est pas un gameplay de ouf. Mais... Voilà, c'est tout. Bon après je parle de Call of, mais ça pourrait très bien être Battlefield, non mais... Parce que je pense plus à Call of parce que moi je joue pas Battlefield. Pas que j'aime pas ça d'ailleurs, entre parenthèses. Hein. C'est pas que ça me plaît pas Battlefield. Mais je l'ai pas, donc j'en parle pas. Que j'y ai déjà joué. D'ailleurs je préfère, sauf que je suis tellement con que mon compte Xbox est moins de 18 ans, donc je peux pas y jouer. Enfin bref, parenthèse fermée. Et donc voilà. Les commentaires ils s'en sont, je vois pas l'intérêt. C'est tout. Enfin les commentaires ils s'en sont, ça veut rien dire. Non, les vidéos s'en sont... À part des vidéos où on a un gameplay intéressant, sinon je trouve pas que ce soit très bien. Quand il y a de la musique, en fait, ça peut être bien, mais des fois c'est casse-couille. Ça peut être chiant pour aussi. Oui, je suis compliqué. Ça je sais, merci. Non, mais après les gens ils font ce qu'ils veulent. Hein. Si vous voulez faire des vidéos, faites des vidéos, moi je m'en fous. Hein. Enfin, sauf si ce que vous faites est bien et que je regarde, je m'en fous pas à ce moment-là. Mais... Ah oui, donc si vous voyez au fait que je n'aime pas grand-chose comme vidéo sur mon compte, hein, parce que je sais pas, ça pourrait vous intéresser de savoir ce que j'aime pour, je sais pas, aller voir sur une chaîne, juste pour voir si ça vous intéresse. Pour avoir l'opinion de Lapignon, le grand youtubeur. Non, je déconne. Oui, voilà, j'ai dit des moyens que j'étais pas un grand youtubeur. Je vais pas me contredire. Oui, donc je disais oui, si vous voulez, parce qu'en fait, moi j'ai un deuxième compte YouTube. Pas que j'ai peur en fait d'être que voilà, enfin ça me pas que ça me fait chier de mettre des j'aime partout, parce que bah c'est vrai que à part mes 160 abonnés, mes 180 abonnés, personne ne le voit. Mais bon, en fait, je trouve ça plus pratique d'avoir un deuxième compte YouTube.
Surtout que, bon, ça paraît con, hein, je suis d'accord, mais j'ai pas forcément envie que tout le monde sache ce que je regarde. Ça n'a pas grande importance, mais voilà, c'est surtout qu'en fait, j'ai commencé avec un autre compte YouTube. Ce que j'ai fait, c'était de la merde. Alors, j'ai fait un nouveau compte. Donc, mon ancien compte s'appelait Clément de Vice, hein, pour ceux qui veulent savoir. Donc oui, en plus, tu vois, déjà, j'avais mis mon nom, mon prénom en nom de chaîne. Donc voilà, déjà, ça part mal, ça fait nul. Et puis, en plus, j'ai pas forcément envie de savoir comment je m'appelle. J'ai pas envie forcément qu'on sache comment je m'appelle, même si je l'ai dit dans certaines vidéos, mais ça me dérange pas particulièrement. Mais voilà. Ça fait, je trouve ça fait con de mettre une chaîne où on met son nom. Ça fait pas con, mais voilà. Bon, après, c'est sûr qu'il y en a qui vont dire la Pignon 4, ça fait pas con par hasard. Ok, d'accord, c'est pas la première fois qu'on me dit que mon pseudo est nul. Ok. Je suis habitué. Les gens croient que je suis un fanboy de Suzmosa Lapinou. Il me semble qu'il s'appelle comme ça parce que je regarde pas ses vidéos, donc je sais pas exactement comment il s'appelle. Bon, je crois que c'est un mec qui fait des vidéos où il rage sur... Enfin, c'est un rageux, en fait, il me semble. Je connais pas, en fait, donc voilà. Pour ceux qui veulent savoir l'origine de mon pseudo, il y en a pas aussi, voilà. Enfin, si c'est mon lapin que j'ai dans ma cour, si ça vous intéresse que je fasse une vidéo IRL sur mon lapin, n'hésitez pas à demander. Non, sérieusement, oui, si vous voulez une vidéo IRL sur mon lapin, ça, je m'en fous, si vous voulez, j'en fais une. Voilà, je peux faire des tutos comment bien s'occuper d'un lapin, si vous voulez. Non, mais sérieusement, hein, sérieusement, je suis sérieux. C'est débile, mais... voilà, si ça vous intéresse, moi je peux en faire. Hein. Bon, bah les steaks, puis bon. Comme j'aime bien les lapins, ça me dérangerait pas. Donc voilà, bon, on a fini ce petit trajet. Hein. J'espère qu'il vous a paru court. Parce que si vous paraît long, bah, c'est que je fais de la merde. Puis j'aime pas trop faire de la merde. Donc moi, bah, je suis plutôt content parce que j'ai réussi à tenir mon commentaire sans mettre de musique, donc pas de droit d'auteur. Donc voilà, je suis plutôt content, puis j'espère quand même que mon commentaire vous a plu, que je vous ai pas saoulé à parler comme ça, et à faire des parenthèses partout, à changer de sujet tout le temps. J'espère que ça vous aura fait plaisir, et que merde, c'est bon, voilà, que ma vidéo vous aura fait plaisir. En tout cas, moi, c'est sûr que ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo, comme toujours, hein, c'est toujours un plaisir, sinon je le ferai pas. Voilà, je le dis en fait, des fois voilà, si je fais pas de vidéo par des fois, c'est juste que j'ai pas envie. Voilà, ça peut, je pense que à tout youtubeur, ça peut arriver de pas avoir l'envie de faire des vidéos. La preuve, hein, même un grand youtubeur comme DiabloX9, il n'en fait pas toujours parce qu'il a pas envie. Tant il a des problèmes IRL des fois, comme tout le monde, hein, donc voilà, le youtubeur, c'est pas vraiment ce qu'on peut appeler un travail, enfin. Ça reste en fait un travail à part entière, mais... Bon, marche arrière de merde. Mais bon, après, moi j'estime pas que ce soit un travail, vraiment. Personnellement, je pense à un truc qui permet de gagner sa vie sans trop bosser. Voilà. Ceux qui regardent ma vidéo, n'allez pas croire que j'aime pas les grands youtubeurs parce qu'ils gagnent plein d'argent. Enfin, plein. Je vais pas dire plein. Il y a des... Je pense quand même, ouais. En même temps... Voilà, c'est un travail que tout le monde peut pas faire parce que bah, tout le monde n'en a pas les capacités. Dire faut le faire, hein, Cyprien, si tout le monde pouvait le faire, ça se saurait, je pense. Hein. Je pense que si tout le monde pouvait faire comme Cyprien, là tout le monde le ferait, je pense. C'est tout, c'est comme ça. Bah, voilà, je vais me remettre en vue intérieure. Donc bon, c'est pas donné à tout le monde. Être un petit youtubeur. Je pense, voilà, c'est plus un divertissement, une passion, ou je sais pas, pour changer les idées. Mais les grands youtubeurs, oh, ça n'a rien à voir. Non disponible. Oui, t'es, voilà. Voilà. Et on est niveau 11. Non, niveau 10. Je vais monter de niveau, il me semble. Oui. Donc on va mettre du fret de grande valeur parce que j'aime bien le fret de grande valeur, je trouve ça stylé.
Voilà, donc ça m'a fait plaisir de faire cette vidéo. J'espère que vous likerez parce que ça me fait super plaisir quand vous likez. Et à la prochaine, c'était Lapinou. Merci à tous d'avoir suivi cette vidéo.